On vient parce qu'on aime le Paris-Brest, on est des récidivistes. Donc on a envie de le refaire et de revivre l'adrénaline du Paris-Brest. C'est d'abord une épreuve qui est l'histoire du vélo. Car si vous retrouvez l'historique de Paris-Brest, ce sont des gens qui ont commencé il y a très très longtemps. Et c'est la continuité de ce qu'on est capable aujourd'hui encore en 2015 et le même rêve que l'on a par rapport aux premiers pionniers. Et bien sûr, 6000 participants, hein, 6000 participants, 60 nations représentées avec les deux tiers d'étrangers. Et ça, c'est toute la particularité de cette grande manifestation internationale et une nouveauté, l'Inde cette année avec une forte délégation. Et la première nation représentée, ce sont quand même les Allemands avec plus de 500 participants. Vive l'Italie et vive la Paris-Brest. C'est pas facile comme épreuve. Si on n'a pas dans la tête, on réussit pas, ça c'est clair. On roule la nuit, c'est un tout en fait. Le premier départ sera donné à 16h et par vague de 300. Et tous les quarts d'heure, donc un nouveau groupe sera lâché. Ouais, là c'est un truc de malade. Je l'ai toujours dit, hein. D'ailleurs je me demande ce que je fais là. Mais, ouais. Et quelque chose qui me plaît, c'est de parcourir des kilomètres et puis faire plein de voir de plein de paysages. Et puis voilà quoi. Et puis j'aime bien mon vélo. Voilà, je suis bien dessus. Nous sommes à 3 minutes 30 du départ. How many hours? I think me, I'm looking for under 80. So 78 hours, I would be very happy. But it's my first time, so if it is 85 hours, no problem. Lorsqu'on est à 2 minutes de départ, comme actuellement, ça fait boum, 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 boum ici. Et on a des frissons également. C'est vraiment un moment très intense pour un randonneur, quel qu'il soit, d'être au départ d'un Paris-Brest-Paris. Nous avons une minute de départ. Ce que je redoute le plus, c'est pas pouvoir gérer le sommeil comme il faut. Et puis après, c'est gérer la douleur, quoi. Donc, c'est à voir. C'est vraiment l'inconnu. 'Alors un événement un peu particulier, ce sont les vélos spéciaux, hein, les vélos carénés, les tandems, les triplettes, les tricycles. Là, c'est un grand moment. C'est ce qui fait aussi la particularité de Paris-Brest-Paris, ce sont ces vélos spéciaux. Une minute de départ. J'ai un handicap, un problème d'équilibre, donc c'est pas un show. Voilà. Là, il faut juste dire que Rodolphe a beaucoup d'émotions parce qu'il y a une heure encore, on n'était pas sûr de le faire, gros problème de dérailleur. Le vélo avait été réglé juste avant son départ et dans la voiture, on a dû cogner un peu le dérailleur. Et il y a une heure encore, on ne le faisait pas. Donc là, il y avait des personnes techniques là-bas qui sont absolument formidables. Ils ont été à deux pour régler le vélo, ils ont fait un boulot extraordinaire. Donc ça y est, là, il se remet de ses émotions parce que ce n'était pas facile pour lui. On a vraiment cru que... voilà. Un objectif immense. Voilà. Bon, regardez. Bravo à vous. Le premier point de contrôle est à Villaines-la-Juhel, après 230 km, donc dans la nuit. Puis s'enchaîneront Fougères, Tinténiac, Loudéac, Carré, Brest. Et au retour, bien sûr, Carré, Loudéac, Tinténiac, Fougères, Villaines-la-Juhel, Mortagne-au-Perche. Et le dernier contrôle, à 70 km d'ici, sera Dreux.
C'était qui? C'était mon mari. C'était mon mari, et voilà, petit c'est Jojo. Bon, ah, Jojo! Il est où ton petit Jojo? Impeccable. Ouais, très bien. Vive le Paris-Brest. Ah, c'est super. Un petit peu chauvin, puisque on a des amis mayennais qui étaient sur un tandem. D'abord, la surprise hier, ça a été l'arrivée très tôt des premiers, puisque par rapport à il y a 4 ans, ils ont mis 45 minutes de moins pour arriver à Villaines-la-Juhel. On sait très bien que ces gens-là sont là pour faire un temps. Alors, ils ont déposé le vélo. Presque tous les participants avaient un staff autour d'eux, quelquefois toute une famille complète d'ailleurs, pour tenir le vélo. La personne n'avait juste à gérer son passage au pointage. Pendant ce temps-là, le vélo était bichonné, on remplissait les bidons. C'était vraiment un peu des Formule 1, si on veut, du vélo. Et puis, tout au long de la nuit, alors là, des gens qui sont là avec un autre objectif, et bon, qui nous demandent où est la restauration, où sont les toilettes, et là ils prennent leur temps. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième, bien, c'est ce que j'ai vu ce matin, des gens allongés un petit peu partout pour se reposer et profiter du petit déjeuner tranquille. Et ça aussi, c'est vraiment super sympa. Ils ont le mental. Ouais, ça va aller. Une petite sieste et puis on va repartir.
Eh non, une nuit blanche. J'ai encore du chemin à faire. Ça va plus, c'est tout. Je suis avec les copains, je les fais, ils me traînent donc je vais pas les retarder plus. Ils m'attendent, c'est déjà beau de leur part donc c'est pas la peine. Et puis après, il y a encore 900 bornes à faire si c'est pour. Non, c'est bon, rideau. Donc je vous laisse votre carnet, la plaque de vélo vous la gardez aussi, je ne prends que ça. Mais je vais noter votre nom sur mon tableau. D'accord ? Il souffre d'un membre inférieur, d'une jambe, et visiblement, il va moins vite que d'habitude, et il est au sein d'un groupe, et il ne veut pas faire attendre ses copains, en fait. Il y en a beaucoup qui ont abandonné à cette étape ? 2, 4, 6, 8... Il y en a 10 abandons notés ici, pour l'instant. D'autres ont peut-être abandonné avant, à Fougères ou à Villagne-la-Juelle, je ne sais pas. But I tried to cycle on, went another 260 kilometers, but it just got worse and worse, and so I gave up. England. Yeah. I did this 4 years ago, so I'm okay, really. Thank you very much. Welcome. Bonne nuit. Donc là, il va dormir combien de temps ? Là, il va dormir 3h30. Jusqu'à 17h, on doit le réveiller. Si, si, si. Si. Very good. Can I take more one? Voilà. C'est pas facile des fois quand on ne connaît pas trop les langues étrangères. On arrive à se faire comprendre, mais des fois... C'est portugais. Tout à l'heure, on avait la matonde et puis cochait à fur et à mesure de quel pays il venait. Je trouve ça génial. C'est de la route, hein. Ouais. Fait du chemin. Merci, madame.
3 heures. Non, enfin, on vous dormez 3 heures, donc, comme il est. Good morning! Hier soir, depuis 21h hier soir. Hein. Oh, bah, les gens qui s'arrêtent, on leur propose un café, une boisson, une petite collation. Du thé. Il y a une quantité impressionnante de gens qui ouvrent leur maison, leur camping-car et tout. Ils posent des tables sur le côté, même de nuit, on a vu des tentes de nuit, qui étaient ouvertes. À 1h du matin, 2h du matin, pour ceux qui veulent dormir. Les gens sont dans le noir, sur une table avec... de l'alcool, des bières, de l'eau, enfin à manger, c'est un truc boire, de malade. Non, et pour 3 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est super sympa. Ouais. Hier soir, il y avait des petits gâteaux. Ouais, il y a plein de gâteaux hier soir, des galettes de plébin. Oui, puis on a vite liquidé notre stock. À 2 heures, on n'avait plus de gâteaux. Hein. Ils nous voyaient dans la nuit, là, et dans le brouillard à la fin. Là, et dans... ouais. Ils viennent de Thaïlande. On les encourage, on leur demande d'où ils viennent. Hé, les femmes là. Ce qui est magique, c'est l'accueil. C'est à toute heure du jour et de la nuit. Vous avez des fois des gens qui vous applaudissent. Là, en descendant un petit peu plus bas, et on est dans la forêt, on ne voit rien. Et il y avait, au détour d'un truc, 2 personnes qu'on a juste entendues, on ne les a même pas vues, et qui sont là pour vous applaudir, c'est plutôt sympa. Moi, c'est la première fois qu'on m'applaudit quand je fais du vélo, quand même. Donc je suis assez flatté. Carré, il y avait 80. Ouais, il y a 80. C'est bon, tiens debout. I'm from Chicago, Illinois, United States of America. It has been a challenge, but it's been very gratifying. The people of France are amazing. The towns are picturesque, and this is my first time to Europe, and I will be back. And I'm humbled to be here and share your country. Ça
m'a toujours tenté les défis. Et voilà, ça fait 3 ans que je fais du vélo et je me suis dit pourquoi pas le Paris-Brest-Paris. Ben, le retour, je pense, va être plus dur que l'aller. L'aller, on est frais, il faisait beau, il va faire beau encore, mais c'est ouais. Après, ça va être physiquement et moralement que ça va se jouer. Paris. Ouais, Paris par là, ouais. Paris par là. À gauche, à gauche. À gauche. Et dites-lui bien qu'il n'arrête pas parce qu'il va le regretter. Il est jeune. Tu es jeune. Ne fais pas ça. Tu vas regretter. The man said you don't have, yeah. You mustn't stop. Moi, j'ai fait 3 fois. Ok. Thank you. Allez. N'arrête pas. Tu vas le regretter. Eh bien, le jeune homme est fatigué, il est là et il avait envie d'arrêter alors qu'il est sur le retour, il est sur la direction de Paris. Voilà. Et il avait envie d'abandonner. Donc on a essayé de lui dire qu'il ne fallait pas abandonner, qu'après Carhaix, ça allait être plus plat, mais je ne suis pas certaine qu'il soit convaincu. Mais c'est les coups de faiblesse sur le Paris-Brest-Paris. Tout le monde, tous ceux qui le font, ils ont ça. Mais il faut essayer de résister, se reposer et surtout bien s'alimenter, après on repart, surtout un jeune comme ça. Non, non, c'est comme il y a 4 ans, on vous donne un petit papier et puis vous enverrez une carte postale de chez vous. Voilà. Vous êtes de quelle région ? La région parisienne. Ah oui, bah alors. Il y a 4 ans, oui. Eh bien, on leur propose du riz au lait, des crêpes, du café, des jus de fruits s'ils veulent, de l'eau, du thé. Et voilà. Voilà, un petit. Vous nous envoyez, si vous voulez, une carte postale de votre ville, ou de votre village, ou de votre région. On vous enverra quand on sera rentré. Ah, ben quand vous serez rentré chez vous, bien sûr. Oui, chez vous, tout à fait. Voilà. Pour vous remercier. Thank you.
Cette nuit a été très dure, surtout pour eux, l'organisation aussi, puisque nous avons eu beaucoup à assurer du couchage. Les dortoirs étaient pleins, on a 150 couchages dans nos dortoirs. Et on est obligé d'aligner des matelas de gym dans le contrôle. Il y avait du monde partout. On aurait dit qu'il y avait eu une catastrophe ici à Fougères, alors que non. Et on ne pouvait pas laisser partir les cyclos qui auraient pu s'endormir sur la route. Et c'était... on ne pouvait pas faire ça. Alors on est 150 bénévoles répartis dans tous les postes qu'il peut y avoir sur un contrôle. La plus grosse partie se trouve en cuisine. Et là, en cuisine, c'est non-stop depuis lundi. On essaie de faire le maximum pour satisfaire tout le monde. Bon, madame. Nous sommes dans la salle de contrôle où les concurrents sont badgés par un système électronique. Ils ont une puce à la cheville. Ils passent sur cette zone. On entend un petit bip. C'est enregistré ensuite dans une machine. Et ça repart par satellite vers le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, où les pointages sont validés de contrôle en contrôle. Ça, c'est dans tous les contrôles. Alors ensuite, ils se dirigent vers une table de pointage, où là, pour un souvenir du passage dans les villes contrôle, on appose un tampon et on valide leur horaire de passage. Si jamais il y avait un problème par rapport au pointage électronique, ils pourraient se retrouver pour faire une comparaison avec le pointage qui est fait à la main. Donc les gens ici pointent et signent le carnet de route, et c'est un souvenir pour les participants du PBP, dans tous les contrôles. Merci. Au revoir. Au revoir. Quatre ans, moi, cinq. Paris, Brest. Eh bien, ça fait trois fois que je m'arrête ici. J'ai fait 2007 sous la flotte, il pleuvait beaucoup. Oui. 2011 aussi, oui. J'ai arrêté. Et, là, et c'est là que vous m'avez montré l'album photo. Ah oui, il est toujours là. Et là, je m'arrête encore en 2000. Donc rendez-vous en 2019. Voilà. Un café, café. Les gens sont spontanés, je vois sur Brest, les gens font leurs courses, ils ouvrent la vitre et puis ils nous font coucou et tout, franchement c'est magique. Hein. Une année on avait donné du cid à un Américain, il a goûté ça et il a mis un quart d'heure, 20 minutes à barre son coup de cid. Il dit après ça, il dit il va jamais repartir, mais si, il est reparti quand même. Allez, au revoir. Si on est là, c'est parce que c'est l'axe entre Paris et la Bretagne. Nationale 12, un carrefour des plus dangereux du Paris-Brest-Paris. Si on ne serait pas là, je ne sais même pas s'ils arriveraient à s'arrêter. Hein, en plus, c'est quand même un carrefour où il y a, là, vous voyez, beaucoup de véhicules qui passent. Sur le stand, sur le carrefour, on a à peu près entre 30 et 40 bénévoles. Plus un stand boisson, ils peuvent dormir, et puis ravitaillement, de l'eau gratuite, des morceaux d'orange, du pain d'épices, voilà pour les coureurs. Thank you.
Mayenne, c'est une terre de vélo. Hein. Les Mayennais sont très sportifs, sont très cyclistes. Et l'accueil de Villaines-la-Juhelle a toujours été un accueil un peu particulier parce que toute la ville est mobilisée autour de l'événement. Bien sûr, il y a les 350 bénévoles, mais les artisans, les commerçants, des boulangers ont fait un énorme Paris-Brest-Paris. Là, il y a vraiment un soutien inconditionnel du Paris-Brest et ce public qui vient encourager, donc depuis 2 jours et qui reste la nuit, qui vient encourager tous les cyclistes. Et ça, ça nous fait chaud au cœur. Le massage va se terminer. Comment vous vous sentez ? Beaucoup mieux ? C'est très impressionnant si vous l'aviez vu arriver parce qu'elle est arrivée la tête complètement bloquée en position basse parce qu'elle souffre de cervicalgie très importante. Elle est en tandem avec son mari, c'est un couple charmant. On masse la dame très activement. On va lui prescrire un collier cervical mousse qui va maintenir sa tête en hauteur, car il est hors de question qu'elle arrête. Alors, vous dire que j'étais pas inquiet, je serais un menteur. Donc, mais je pensais que ça allait s'arranger au fil du temps. Et en fait, ça s'est aggravé. Donc, depuis hier, elle est de moins en moins bien. Et là, on n'arrivait plus. Donc, elle avait interdiction de pédaler en tandem. Donc, c'est un peu compliqué. J'étais le seul à pédaler. Et puis là, on est arrivé tout de suite. Elle a été prise en charge par le médecin. Et puis là, le médecin vient de nous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'elle peut repartir. Donc, on est super content. Donc, moi, je vais vous prescrire un collier cervical mousse de très bonne hauteur, oui. Adapté. Vous allez filer à la pharmacie. D'accord. Vous le récupérez, vous le mettez. D'accord. Et direction Paris. Paris, on va essayer. On va essayer. Non, non, non. Non, c'est non, Paris. On va le faire. On va faire. Eh bien, écoutez, c'est vraiment. Je compte sur vous. En tous les cas, je vous remercie. L'accumulation de la fatigue, c'est une réalité. Et là, après, il s'agit de gérer. Lorsqu'on est à Villaines-la-Juhelle, c'est un cap, 1000 km. Il reste 232 km les plus difficiles. Pour certains, ils vont passer leur troisième nuit, voire une quatrième nuit. Et là, il faut gérer. La régularité, il faut s'arrêter, il faut s'alimenter bien sûr, mais il faut dormir. Mais surtout, n'allez pas au-delà de vos limites. Ah bah c'est dur, hein. Hein, je vais dormir un peu avant d'aller à Paris. 15 km, 20 km. Oui. Paris, c'est proche. Ma keke, 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 ma
Des amis en fait sur la route, et je crois que c'est pour ça que ça c'est en fait c'est la seule raison pour laquelle j'ai fait ce Paris-Brest, c'est parce que c'était la seule fête encore de village accessible en France. C'est dommage que ça ait disparu, ça existe encore. Attention Paris-Brest, que ça se fait, alors il faut le faire. Ah la vache. Paris, c'est la légende. Le parcours pour aller à Brest, c'est la légende. Avec le Roc Trévézel, mais avec les Alpes Mancelles. N'oublions pas que nous avons plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est un parcours très difficile, très exigeant. I made it! I made it! I'm proud of you. It was hard, but I did it. Les gars, vous êtes filmés. Vous pouvez pas descendre. À 11h15, il devait aller jusqu'à 11h16. À 1 minute, il veut aller. Bon, c'est bon. Tu arrives à 11h15, ça. Voilà. Pour 11h16. Il ne fallait pas que j'aille au-delà de 11h16. L'aventure humaine est présente et le plus important, c'est la communication, l'entraide dans tous les. Entre tous les participants du monde entier. On fait des rencontres inédites, ça parle toutes les langues, et après, ce sont des images fortes qui restent et qui resteront pour tous les participants. Donc, c'est cette communion internationale. I am the Watchmeister. And you can read my blog about Paris-Brest-Paris. It'll be out soon.